là non seulement comme coordonnatrice générale Radio Zénith, moi là tout comme journaliste, moi là tout comme monde avant. Moi là, c'est pour me dire non à la brutalité policière, pour me rappeler la police, le travail que journaliste a fait. Ce n'est pas un travail qu'il a fait pour le montrer en face, li, mais plutôt son travail qu'il a fait pour nous capable informer la population. Nous ne sommes pas venus là pour nous dire à la police, pour nous dénoncer, pour nous écraser la police. Nous venons là plutôt pour nous dire la police, nous comprenons le travail qu'elle a fait, nous comprenons le sens du travail qu'elle a fait, lui-même tout, lui oblige à comprendre nous. Et le travail qu'elle a fait, c'est la constitution qui nous doit pour nous faire. La constitution qui nous doit pour nous faire, nous devons exercer le métier nous, donc la police doit accompagner nous dans le travail nous. Mais message pour chaque journaliste, un journaliste doit faire le travail, respecter les règles éthiques professions, nous devons faire le travail nous comme des professionnels que ça mérite, ça mandé. Et je suis là parce que je suis un journaliste qui est victime seulement, non parce que dimanche victime. Même là parce que y a un journaliste qui est victime, pas besoin qu'on non. Depuis son bagage qui a fait pour journaliste, l'Uni Joseph à présent. Mais ça, c'est plus pour déjà la police là. Oui, déjà la police là, c'est bon, bien sûr. C'est par rapport avec. Si nous avons ces brutalités policières, nous avons le directeur général AI qui est Léon Charles. Je pense que c'est Léon Charles qui est capable de parler avec les policiers. Parler avec eux. Les policiers pour garantir sécuriser la vie avec bien. Les autres sécuriser la vie avec bien. Quel des journalistes, quel des machines surettes, machines bon, pour machines saucisses et la trier, sécuriser. Quel des monde, je dis à la, bandit à kidnapper, il y a un quartier populaire qui n'a pas sorti. Sécuriser les gens, aider les gens pour qu'ils soient capables de vivre bien en toute quiétude. Parce que nous devons compter sur la police là. Nous ne devons pas peur de nous et la police. Ok, merci. Bon, nous pas attendre, nous pas venir là pour nous attendre un bagaille dans mais l'état ni dans la police. Tout simplement nous venons là, nous venons là pour nous dire la police que nous gain droit pour nous exercer métier nous. C'est constitution lui-même qui bat nous. C'est Ligue Banon, c'est Ligue Banon. Moi-même, moi, c'est Johnny Fizé, mais je travaille pour Radio Télé Cachou. Communication, je suppose, dans tout commissariat. Mais il y a qui moun pour transmettre communication ça yo, et pour communication ça yo, transmettre à la jeune population. C'est pas nous-mêmes journalistes. Même quoi, journalistes, la police, c'est deux confrères d'adouer là nous sous béton. Deux confrères d'assupposer. Nous pas doué comme si nous gardons, comme si deux institutions qui sont en bataille. Bon phrase, Georges Castro dit dans la poésie. Des langues pas supposées dans la bataille. Des langues faites pour des langues. Journalistes avec la police, les sous-béton nous presque à parler la même langue. Ou même policiers, ou venir pour protéger la population avec bien lié. Moi-même, je viens pour me garder ce qu'a fait là. Pour moi-même, je transmettre lui. Donc, ou même policiers ou victimes, tout même ensemble avec moi. C'est chaque jour, moi la police a fait marche, moi la police fait manifestation, moi la police a tiré devant le commissariat parce qu'il y a revendiqué du royaume qui n'est pas respecté. Eh bien, journalistes surtout aujourd'hui, ils suspectent la police qui a un bagage qui ne comprennent pas. Parce que si vous n'avez pas la rue pour revendiquer les droits, vous connaissez moins journalistes qui pour porter revendication là, aller jouer une population, jouer une monde qui pire dans la structure politique là, qui pourtant de voir. Eh bien, vous n'avez pas le droit dans la rue, moi-même, exercer métier. Je viens de sa peuple a dit pour me mal transmettre. Pour mal transmettre les respect là qui ne doit pas attendre. Vous n'avez pas le droit pour venir voir les balles sous moi. Vous n'avez pas le droit pour voir les balles sous moi. Donc moi quoi, je dis. Bagage ça yo, il faut qu'il finisse. Trois journalistes déjà disparaissent. Bon, la police
Quel travail a fait pour les journalistes sous enquête? Journalistes qui disparaissent. Jusqu'à présent, ils n'ont pas dit, mais c'est pas balle pour nous venir tirer, monsieur. Faites travail, nous, quittez les journalistes, exercez le travail comme ça doit. Parce que les droits journalistes, c'est un acquis lié depuis longtemps. Il y a un pile de monde qui déjà mouru, qui prend balle, qui prend gaz pour lui déjà. Ça, nous ne pouvons pas perdre nous même journalistes. Parce que c'est pas l'institution policière en soi, mais l'ensemble qui est impliqué dans les actes de brutalité policière, mais des policiers ou bien des individus dans la police là qui mal intentionnés, eh bien les journalistes ont fait travail toujours, eh bien empêcher les journalistes de faire travail comme il se doit. Comme vous comprenez, un journaliste a exercé et fonction li, et puis un policier de 100 fois li tiré à balle caoutchouc et sous journaliste là, le seul péché que journaliste a commet c'est interviewer yon moun nan kadre yon activité yon citoyen. Comme on comprend, yon journaliste a pas couvri yon activité et puis yon policier de 100 fois et bien paraît nan yeux, paraît nan visage li flité yon liquide apparemment toxique. Donc nous pensons que dans un pays donc Haïti, côté la liberté de la presse déjà et prend beaucoup, côté journaliste déjà fait face à de sérieuses contraintes. Donc nous pensons que c'est inconcevable pour journée aujourd'hui pour la police ta campé, Jean au campé envers journaliste qui ont même déjà une situation difficile pour faire travailler comme il se doit. Nous connaissons des problèmes d'accès à l'information, nous connaissons des problèmes de précarité parce que situation socio-économique journaliste pas moi même qui viens apprendre nous là et puis pour venir mettre sous ça là et policiers qui campent en bandition et m'a pour prendre c'est pas tout policier, il y a des policiers qui sont dans l'académie qui connaît que devise là c'est protéger et servir et qui protéger et servir tout le monde quel que soit coût social ou mais il y a de l'autre monde tout qui entre dans la police là qui entre en mouton et qui sortit en lion et malheureusement c'est sous journaliste il y a le guéri parce que nous autres et au niveau de corporation nous dénoncer quel que soit brutalité derrière mais en particulier sous journaliste nous dit non et nous voulons signaler à vraiment ça bail et recommandement la police là parce que bon proverbe créole qui dit c'est chemin bouton qui mène malin. Si aujourd'hui à nous quitter situation pour aller comme ça demain il va trop tard. Non à la brutalité policière sous quel que soit monde qui fait là sous journaliste en particulier. Merci. Donc je ne dis là son signal clair nous voyez bail et recommandement la police là notamment le directeur général AI monsieur Léon Charles pour nous dire faut qu'il râle les oreilles policiers ça qui a fragilisé institution police parce que nous autres comme journalistes là nous nos activités nous pas empêcher la police faire travail yo comme on comprend aujourd'hui là si bon problème dans cadre mouvement populaire nous ta doit camper bord la police yo, pour plus protection alors que c'est le contraire parce que nous vinn peur policier ou pas connait qui sac dans tête policier qui intention rien les la bay gaz li blier sur son journaliste la pousser li blier sur son journaliste or ça vient comme statut ta doit permettre nous jouir dont certaines notoriété d'un certain droit et pas oublier la liberté de la presse, son droit qui sacré. Et je dis à la n'importe professionnel de la presse, pas d'accord négocier ça sur quelque soit forme de travail. Merci beaucoup. La police,
police, la 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 police. Pas mal passé, non? Pas mal passé.